Je m'appelle David Ledoux. Je suis compositeur en résidence à Sparobol pour la vitrine sonore. L'œuvre que je présente ici s'appelle Les champs sonores possibles. En fait, c'est un projet continu qui est un peu mon projet de paysage sonore. Donc, l'approche, essentiellement, c'est de prendre un environnement. En l'occurrence, ici, j'ai pris l'environnement qui est proche de Sparobol et du centre-ville de Sherbrooke. Puis j'ai fait des captations un peu de sonorités que je trouvais agréables et significatives. L'objectif, c'est surtout d'amalgamer la diffusion de l'œuvre avec les sons qui persistent puis qui ont lieu au courant d'une journée. Que ce soit le bruit d'un réverbère qui buzz, le bruit du train qui passe pas loin ici de Sparobol, ou le bruit des véhicules qui passent sur les joints de dilatation proche des chutes avec l'eau qui circule. Donc, c'est plein de petits événements sonores du quotidien de Sherbrooke que j'ai tenté de mettre dans l'œuvre pour embellir l'environnement, accompagné d'une trame musicale assez ambiante, assez discrète, donc c'est toujours en subtilité. L'objectif, c'est que tout événement sonore qui peut survenir dans l'environnement de Sparobol puisse bien s'agencer avec l'œuvre elle-même, que ça puisse bien se combiner, puis que ça se réponde, puis qu'il arrive peut-être des événements heureux entre les sons qu'on entend dans l'œuvre et les sons qu'on n'entend pas dans l'œuvre, mais qui viennent de l'extérieur de l'œuvre, mais qui sont similaires, puis qui s'agencent bien avec. Donc, c'est un peu l'approche de ce projet-là, puis c'est un projet qui peut s'appliquer à bien d'autres villes, bien d'autres endroits. C'est la première édition que je fais, donc c'est Sherbrooke qui a la chance d'avoir... c'est pas vraiment une chance, mais c'est à Sherbrooke que ça commence.